Ok, est-ce que là ça grésille? Non, là ça grésille plus. Ok, it seems fixed. I'll let you hear it and tell me. Wasn't that the beginning started some time ago? All is fine now. Yeah, ok. I just reboot my OBS software. I really don't know why it happened. It happened to me all the time. But it's not my mic. It seems to be not my mic, but software itself. Because I just reboot OBS. I stopped using OBS. I'm using XP now for joining gaming sim. I think it's XSplit is not on mic. Maybe I'm wrong, but I think so. And actually, I only have my MacBook good enough to stream and work in the same time. And give better sound, but XSplit makes the best use of my internet. Oh yeah, maybe yeah. I really think I have some issue because I'm on Mac for streaming. Like the OBS version on Mac is almost the same on the PC version, but not exactly as always. And I also noticed that my webcam, this one, is pretty bad. The picture, I don't like the picture of the cam for the stream. And I don't really know if in if I was in using a PC, the camera will be better, but being on a Mac could not help, do not help apparently. Sound is a tad worse. Oh yeah? So the streaming itself is better because XSplit can use your internet connection in a better way than OBS, but the sound of your voice or your game is better on OBS. That's right. Am I understand it right? That's strange, because you XSplit makes everything way better and doesn't load system as much. Okay. I really thinking about how can I stream on PC. I have an old PC with me. It was my previous workstation, but it's so I don't think it's good enough to streaming. I don't know. I have to test. Since I'm better on OBS, but it lag hardcore, doesn't make it good. Yeah, okay, I understand. Yeah, but I don't think so that XSplit had a Mac version. Let me just check XSplit Mac. Yeah, I know, okay. Yeah. But yeah, I'm gonna think more about using my old PC or
maybe install a Windows on my MacBook Pro, because I don't need the Mac OS. In fact, I bought my Mac because I had it for a good price, and at the time I bought it, it was like the most powerful laptop for graphic stuff for the price I got it. But I have no special interest in using Mac OS against Windows. I don't really. The software I'm using for my 3D and 2D stuff are on both of them, so I don't really mind which operating system I have to use. So maybe it's a possibility, a solution to install Windows on my Mac, so I will still have all my power on my Mac and a Windows, so the software will be, software and codec will be better. Oh yeah, I forgot this arm. I think so, but he's working, so maybe he's just not chatting with us. He's still on the stream, but yeah, I think it's he's working and focus right now. Okay, so this is gonna be it, I think. And now what I have to do is cut them, so I'm gonna do it still on stream because you're here. If I was alone on the stream, I will stop it now, but you're here, so I don't have any space on my desk for this huge cutting board. I have my mic here. Okay, it could. Okay. Should be okay like this. Oh no, before erasing the pencil sketch, I have to cut them because I will not see the cut line after. Where is my big rule? My big ruler. Yeah, I think I don't
I think I'm not gonna start a real art project now. I just finished this painting 2 days ago. It was done on stream, but with a lot of sound issue, so the VOD, the replay are not too good to watch. And I will stream my next painting or charcoal drawing. I think maybe between Christmas and New Year. There is 4 or 5 days here, then I will be home and having time to stream and to start another project. So, where's my cutter? Okay, here. You like the feet painting, yeah? I'm pretty glad of my feet painting because it's the first time I'm dealing with skin tone, and painting is still something new for me. So I'm learning a lot. Thank you. I think I'm gonna let it dry for let me show you. Yeah, because it's oil painting, it will take some few days, even weeks to dry enough to work on. Maybe I will add some graphic line on it to cut the realistic aspect and add some personal touch in it. I'm not sure yet. I will do some Photoshop tests before. But yeah, I think so. I will do it on stream also. When did you make your Twitch account? My Twitch account is pretty old because I'm watching some other stream, like fighting games, competition and stuff like that. But I'm streaming only for a few days ago. It's pretty new for me. You have just and Twitch watcher for now, but I'm sure it will be big on Twitch if you keep them. Thanks. Yeah, I know. I really need. I have to be a regular on it and stream a lot to be more viewed and considered. But I also need to have a good setup. Meaning the sound issue I had the first time, and I just got it 5 minutes ago with you. That's something. It's not clean. It's not pro. It's not good. I don't like it, and people don't like it. Of course, it's totally normal. If I go to watch a stream and the stream quality of the audio or the video
are bad, I'm not gonna spend my time on it. I'm just gonna leave. Issue cut it this one. Okay. I have to clean my board. And also, what I. Oh, sorry. Oh, no one doesn't. Je viens seulement de comprendre que ce démarque-page. Bah oui! Je sais que. Yeah, no, that's pretty good for something so new, but. Yeah, I need some good quality on everything, sounds and video, but. What I also need, I think. But it's not my personality, so I will not force me to do so. But often you're watching a stream or a streamer because he's funny or he's angry when he lose at games or I don't know. I'm pretty a calm person, so. I don't do funny stuff or angry stuff. I'm not entertainment, if I say so. And I know that, but this is also one of the reasons I started to stream. To learn a little bit more how to speak to strangers in a cool way about my work and so on. I'm watching you because you are a pretty nice person. I'm sure more people will come for sure. Moreover, your art is really cool. Thank you! That's really nice. Comment that together and we have a great stream. Thanks. Yeah. I'm pretty I don't know how to say it. I really want to stream my next art project because I think I will do a charcoal realistic portrait the next time. And I'm so much comfortable with charcoal drawing than I am with oil painting. That I already know it will be a better quality of streaming and art because of that. Okay, I think my knife is getting old, but I don't have another one. Maybe I will need to double them, like cut another part, another sheet of paper, and just glue it on the backside. I don't know because after a while the backside could get off. And I don't want that. Oh yeah. My cutter is getting so.
Ok. Ok, nice. I have so bad lighting here. I think I will go either stream or go to a store because in bulk trunk, I need to go sleep. It was nice meeting you. Have a good evening. Yeah, thank you for being here. It was nice meeting you too, and I hope I see you next time on my stream or even in your stream. I'm gonna go see your channel after my stream. Thanks for passing by. See you next time. Bye, Rishan girl. I have to learn how to say goodbye in Russia, just for you. Comment est-ce que je pourrais les rendre beaucoup plus solides? Est-ce que les plastifier? Je connais une petite imprimerie pas loin qui le fait. Mais de un, ça peut être coûter cher parce que justement c'est que deux petits bouts et que du coup l'utilisation de sa machine lui coûte bien plus cher comme ça que si je venais avec beaucoup de trucs à plastifier. Et l'autre problème c'est que si ça se trouve il est peut-être fermé ou il sera peut-être demain quoi. Ouais, ça doit être le fait que je stream en 1080 et il faut peut-être. Je vais restreamer en 720 la prochaine fois. Là, de toute façon, j'arrête bientôt. Juste le temps de couper les trucs là et puis je vais couper d'ici 5-10 minutes quoi. Ben, j'ai pensé ouais à redécouper des trucs et puis à les coller derrière. Et le truc c'est que je me dis que
Ça se trouve, dans une semaine, si les gens l'utilisent un peu, la doublure se décollera en partie et ce sera pire, quoi. Enfin, ce sera dégueulasse, quoi. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu tapes dans Google pour chercher ça? Comme idée là. Je suis la personne la plus nulle en utilisation de Google, je pense. Ouf, ok, I'm pretty off. This one I'm gonna cheat. Certains proposent d'utiliser un plastique transparent autocollant. Ouais, bah c'est le plastifié en fait, quoi. Je pense que c'est la même chose que ce que ferait l'imprimerie que je connais qui plastifie. Oh yeah, cut the top too. Ouais, mais toi-même pour éviter de... Ouais, bah, je comprends le fait de le faire soi-même, sauf que c'est un petit peu pour demain, quoi. Tu vois, comme... Enfin, c'est normal, quoi, c'est la base de s'y prendre à 2 minutes. Donc, je sais pas si j'ai le temps de trouver, d'acheter, de faire, quoi. Ah, carrément, t'as trouvé des gens qui font des marque-pages, c'est cool. Ah, dégage-toi. Ok. Et on coupe. Ah oui, non, d'accord, c'est autre chose, ok. C'est comme un espèce, comme si on mettait un gros scotch devant et derrière, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Ça peut peut-être se trouver effectivement facilement. Ouais, c'est chaud, ouais. Ils sont pas tous pour demain, mais certains, donc bon, ça change pas le problème, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bah, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Peut-être que je vais quand même les faire plastifier chez l'imprimeur s'il est encore ouvert aujourd'hui. Je sais pas. Et il faudrait que j'y aille, genre. Ah, c'est peut-être même déjà trop tard.
Je sais pas du tout. Et puis au pire, bah c'est comme ça et ils seront très vite abîmés. Je sais pas. C'est pas que j'ai pas envie de faire bien, mais ça m'a déjà pris 2 après-midi complètes pour faire juste ça, quoi. Donc c'est déjà un peu beaucoup de. J'ai un petit peu trop de temps à mon goût. Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé d'intéressant? En tout cas, c'est gentil de m'aider à chercher. Parce que moi, j'ai même pas cherché en fait. C'est toi qui as cherché. Après, je me dis que dans si tu vas dans un à la Fnac ou je sais pas où et que au caisse t'as des marque-pages, ils sont jamais très épais, ils sont toujours assez. C'est pas trop grave, tu vois. En bas de cette page, ok. Rigidifier du papier. Il y a plusieurs possibilités, ça dépend du papier, de l'effet voulu, des besoins. Double le verso avec la feuille plastifiée adhésive. Plastifier un spécialiste, ouais, médecin, plastifier avec le verso, vous pouvez utiliser le produit destiné. Ouais, en fait, il faudrait forcément, quelque seule solution, forcément des trucs que j'ai pas sur moi, quoi. Et ouais, tu vois, je me dis, tu sais, quand tu peux en choper à la caisse par paquet de dizaines comme ça, c'est jamais des trucs très épais, en tout cas, je crois pas. Donc ça se trouve. Alors, c'est pas de la feuille d'imprimante, hein, c'est quand même du Bristol. Donc. C'est. Ouais, je sais pas. Ça me choque pas énormément, quoi. Peut-être les laisser comme ça, quoi. Bon, comme je disais avant, du coup, à la russe, là je pense que je vais plus streamer jusqu'à après Noël, mais 27, 28, 29, 30, 31, tout ça. Je sais pas encore quand là-dedans, mais dans ces jours-là, il y aura du stream. Certainement le début d'un portrait au dessin. Je sais pas encore. J'ai encore aucune idée de ce que je vais faire ensuite, mais je sais que pendant cette période-là, j'aurai du temps, je serai dispo et que j'aurai envie de travailler quoi. Et donc je streamerai. En fait, je vais essayer qu'à chaque fois que je travaille, maintenant je stream. Parce que j'ai remarqué que ça a un effet super positif sur moi. C'est que même quand il n'y a personne, genre là, juste toi ou un truc comme ça, une fois que j'ai lancé le stream, une fois que je suis dedans, que je l'ai lancé, j'ai pas envie de l'arrêter au bout d'une heure pour aller faire autre chose, tu vois. Ce qui fait qu'au final, c'est un peu comme si ça me forçait en fait à travailler 3 heures d'affilée, limite. Pour l'instant, j'ai quasiment jamais streamé sous 3 heures, tu vois. Et du coup, ben, au final, si je peins ou si je dessine 3 heures par jour, c'est déjà vachement vachement bien en fait. Ça me fait grave avancer. Parce que avant que je stream, la peinture, faire une peinture, même une peinture plus petite et moins prenante que la dernière que j'ai faite là sur les streams des autres fois, je l'ai taillée sur des semaines et des semaines parce que j'étais une grosse feignasse et que je travaillais dessus une heure par-ci, une heure par-là et voilà quoi. Alors que là, la peinture des pieds, au final, je travaillais 3 heures par stream à peu près. Et vu que je me disais, comme l'a fait remarquer la russe avant, c'est que pour avoir du monde sur le stream, il faut streamer souvent et quasiment tout le temps, tu vois un peu. Et du coup, en fait, le lendemain, tu dis, bon, aujourd'hui, je stream ou je stream pas, hop, peut-être que tu peux pas. Mais du coup, le lendemain, tu dis, bon, hier, j'ai pas streamé, il faudrait peut-être quand même que je stream. Et du coup. Vu que quand moi je stream au final ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler, ça veut pas dire glander. Et bah du coup au final ça me force à travailler très régulièrement quoi. Et je suis plutôt content de ça puisqu'au final la peinture là, bah en fait au gros max en fait au moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai fini, elle a dû se passer une semaine à peu près. Tu vois, si
si jamais il y a un jour ou deux où j'ai pas streamé, où j'ai pas bossé dessus ou quoi. Et du coup, ben ça c'est vachement rentable, vachement cool. Donc je pense que je vais quasiment toujours tout streamer en fait maintenant. Et ce que j'aimerais bien peut-être éventuellement voir si je peux faire, c'est j'ai une GoPro en fait que j'utilisais avant pour enregistrer et puis faire les timelapses que j'ai sur ma chaîne YouTube. Et peut-être qu'elle aurait une meilleure qualité d'image que la webcam que j'utilise là. Mais bon, vu qu'elle a un angle de vue vachement accentué, enfin vachement fisheye, c'est peut-être pas bien pour le stream, je sais pas. Mais bref. Sauf que pour pouvoir l'utiliser, il faudrait déjà que j'achète plein de câbles, enfin deux câbles et un adaptateur. Parce que de base, bah, y a absolument rien pour récupérer son flux directement sur l'ordi. À part en passant par la version Wi-Fi de la GoPro. Mais alors t'as un délai de malade entre la GoPro et le reste. Mais je le testerai quand même ce coup du Wi-Fi pour voir juste comment ça fonctionne. Ça se trouve, ça fonctionne suffisamment bien. Ouais, ce qui est un petit peu dur, je trouve, depuis que je me suis intéressé un peu au streaming, c'est que pour avoir des gens qui te regardent et te suivent, il faut de la bonne qualité partout. Images et sons, etc. Et sinon, on n'a pas envie de rester, de regarder. Et c'est logique. Moi, là, le premier. Et c'est pour ça que ça me saoule grave là quand j'ai les soucis de son. Et d'un autre côté, c'est en ayant plein de vues, etc., que tu peux gagner un petit peu d'argent par des dons de ci et de là qui te permettent d'acheter du bon matos. Sauf que là, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est lequel avoir en premier, quoi. Parce que t'as l'impression qu'il faut l'un pour avoir l'autre. Du coup, bah, moi j'ai un peu investi dans le micro et le casque et la caméra. Sauf que la caméra, ben, c'était peut-être pas le bon investissement. Enfin, je sais pas, c'était la meilleure un petit peu dans les reviews, mais moi j'en suis pas très content. Hein. Tu vois là, ça grésille et tout, franchement. Alors que je suis pas dans une pièce sombre, hein, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref. Je vais quand même continuer à streamer, comme dit, ça me force à travailler, donc ne serait-ce que pour ça pour l'instant. Après, c'est sûr, si pendant 3 mois tu streames tous les jours et qu'il y a 0 personne, 0 personne et 0 personne, tu vas vite te décourager, tu vas plus streamer quoi. Mais ne serait-ce que une ou deux personnes, ça suffit à ce que tu te dises que bah il y a quelqu'un quoi, donc tu peux pas. Et une ou deux personnes, c'est quasi sûr qu'il y a toujours quoi. Ça me dérange pas, car je suis à l'oreillette. De quoi tu parles? Quand tu dis que ça te dérange pas parce que t'es à l'oreillette, tu fais référence à quoi? Parce qu'avec le délai qu'il y a entre toi et moi là, du stream, et ben, du coup, je sais plus, je peux pas dire à quoi t'as répondu quoi. Ça fait un beau petit paquet. Ouais, je dois les signer tout ça derrière. Je pense que je vais les laisser comme ça. C'est franchement pas trop déconnant, je vais voir. Hop, ça là. Ouais, mais là ça grésille pas normalement. J'ai reboot le stream avant. Parce que ça grésillait avant. Ça s'était mis à grésiller d'un coup. Enfin bref, là de toute façon je vais couper donc que ça grésille ou pas, on s'en fout un peu. Et puis, bah merci d'être encore une fois venu sur mon stream, même si c'est qu'à l'écoute ou quoi. C'est super cool, en plus du travail et tout. D'ailleurs, j'ai loupé les deux derniers épisodes de tes inspirations. Les autres, je les avais vus, mais les deux dernières, je les ai pas vues, je les ai mis de côté. Il faut que j'aille les regarder, voir s'il y a un truc intéressant dedans. Ok. Et puis, je te souhaite ben, un bon Noël demain, tout ça.
Et je te dis certainement à la prochaine sur mon stream ou les habituels Facebook, les genres de trucs quoi. Ouais, faut que j'aille voir tes deux dernières vidéos. Comme dit, les deux dernières, je les ai pas vues. J'en ai loupé deux. Des inspirations de la semaine là. Allez, sur ce, je vais arrêter là et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci.